Un millionnaire dans le rang des anciens de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un taximen qui a raflé le prix Méga Million. 275 181 000 francs congolais gagnés pour avoir aligné correctement les cinq chiffres. Ce jeune Quinois habitant le quartier Pompage rêve et respire désormais autrement. Il a des billets, des banques qui lui permettront de changer de vie et réaliser ses projets. Des billets de banque visiblement trop nombreux pour être contenus dans les deux mains du détenteur. Ces 275 180 000 francs congolais sont la cagnotte du jeu Méga Million, raflé le vendredi 11 décembre 2020 et remis à son désormais propriétaire le mardi 15 décembre à Kinshasa. Ému, il raconte comment il avait appris la plus bonne nouvelle de sa vie. J'étais allé faire checker mon ticket auprès du manager, il m'a rassuré que j'étais le gagnant. Le nouveau millionnaire caresse des rêves à matérialiser avec la cagnotte reçue. Plusieurs projets défilent simultanément dans sa tête. J'ai des projets, acheter une parcelle, acheter des voitures pour assurer le transport en commun, mais aussi je dois aller en voyage. Taximen de son état, le regagnant de Méga Million, encourage ceux qui, comme lui, tentent leur chance en combinant les cinq chiffres au quotidien, convaincus du jour de chance de chacun. J'encourage les amis. Je suis taximen. J'arrêtais tout le temps mes courses pour jouer. J'ai longtemps rien obtenu et voilà qu'en fin de compte, j'ai obtenu au-delà de mes attentes. Donc vous aussi, vous pouvez faire comme moi. Ne vous lassez pas. Un des présentateurs de Méga Million rappelle le principe du jeu dans les deux tirages hebdomadaires. Les mardis et les vendredis, mais chaque jour, nos parieurs jouent pour 500 francs. Ils doivent choisir 5 numéros sur 45 numéros. Et quand vous avez tous les 5 numéros, là vous gagnez la grande cagnotte. Et cette fois-ci, c'était 275 181 000. Et lors du tirage de ce vendredi 11 décembre 2020. Le regagnant qui a été autrefois attiré par son aîné qu'il voyait combiner les 5 chiffres a pris le goût de parier au quotidien. 7 ans après, ses efforts ont été récompensés au-delà de ses attentes. Les autres peuvent, comme lui, tenter leur chance au quotidien dans des points de vente, des shops et centres de premier bête loto.